Mesdames, Messieurs, la famille, toutes les amis, frères, accès aux compatriotes, bonjour, bonsoir à pour nous toutes. Et je dis à ce samedi, nous vivons et samedi 30 septembre, c'est le dernier jour pour moi et septembre, non? Et c'est week-end, nous souhaitons bon samedi, bon week-end à toutes les amis fanatiques, nous yon. Nous c'est toujours amis, on s'invite à merci Dieu, toute équipe là, nous déjà disponible et disposée. Nous portons pour quelques et parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Dans la vidéo, ça, nous pourrons partager avec les fanatiques plusieurs informations. Nous allons pour nous parler sur la question haïtienne qui continue à quitter la République dominicaine volontairement. C'est un pile haïtien qui déjà quitté le pays Saint-Domingue, Bahia Binadel, plus passé 61 000 haïtiens déjà abandonné Saint-Domingue. Nous pourrons et partager avec vous quelques vidéos et quelques témoignages tout pour qui ça haïtien a abandonné et pays ça nous prend une chance pour nous capable d'entendre quelques témoignages mais gagner et soldats guad dans pays Saint Domingue et bien qui humilié citoyens haïtiens que n'a regardé là nous connaît les canal là qui fait commencer m'était fait et quelques et déclarations et il était juré il était dit quelques paroles et sous et Luis Abinadel assemblée monsieur comme monsieur dit c'est pas lui même il dit c'est un monde qui semblait avec c'est pas lui même qui t'a fait et déclaration hein? Et ce canal là c'est jeune garçon ça qui n'a pas gardé là pour permettre nous tendre un petit extrait dans déclaration côté le t'a fait l'étape jouer et Abinadel et bien Guadio humilié jeune garçon ça il fait jeune garçon mandé Abinadel pardon. Yo fait jeune garçon mandé Guadio pardon et surtout jeune garçon qui fait déclaration dans canal là il était commettre un délit il était metté uniforme et soit la police ou du moins et la mine pays domaine et c'est un bagarre pour nous pas fait ou pas supposé et ou pas militaire ou pas supposé à mettre rad militaire sur lui pas bon c'est un délit ou capable prendre en pile prison quitte ou Haïti quitte ou c'est demain whatever pays ou ya sous pas militaire ou pas droit à mettre uniforme militaire sur parce que ou prend un bon tout prison n'a pas invité mesdames et messieurs en tant de jeunes garçons sous première déclaration il était fait dans canal là et puis nous pour voir comment les soldats dominicains ont été traités en garde. Pour la polo, mais ça va qu'elle a acquis. À ce moment, je me confie pas la diable. Pas vous carré, Joël. Que m'a dit le président de la diable, que le gouvernement dominicain est un dominicain, le diable. Minutes, mais tard. Je suis là, nous coupons à hôte. Paul, je vois les comment je suis haïtien. Je tengo 9 ans, je vis à Kinda. Je n'ai nunca abandonné la voix de la vie. Comment c'est mon primo mieux que parler ça à moi? Je vis de Kounou, qui je vous carré, bida, qui en de Havon, je vous carré, bida. Comment elle parle ça à moi? Est-ce que vous avez un bidon? Je suis un ami, je n'ai nunca te battu sur la cosa qui. Parce que je tenais un visa, visa, il passe à la porte, mais quand vous avez un visa, je vis de mi kounouko. Depuis que la frontière est là, je suis un ami qui se remette à une famille interne, la frontière est là. Et depuis, je m'écoute la notice. Quand je suis en train de dire que non, c'est un canal que je suis haciendo allá en Haïti, c'est parce que la frontière est là. Ami, je dis non. De cosas de allá, después que la frontera la está cerrada, yo no, nunca cogí para Haití. Entonces los jefes ya para acá me agarren, se fui yo. Pero no llores, no llores. No llores. Tú no tienes la pena. Tú no hiciste nada, tú dijiste. Pedirle perdón a Luis Abinadel que tú vas a contar tu historia. Pedirle perdón a Abinadel. Perdón a Luis Abinadel. Por todo lo que tú dijiste. Y pídele disculpas a los guardias también. Pídele disculpas a los guardias también. Disculpas a los guardias también. Pero yo lo pido disculpas a usted porque yo no sé nada de eso. El primo me le parece igual, pero no sé nada de eso. Yeah. Oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça la situation lui-même. Même pour me dire, nous sommes dans la situation que nous avons journée aujourd'hui, la conjoncture aujourd'hui. Moi, je connais pas ici, nous très émotionnel. Si nous connaissons et nous voulons défendre le pays, nous voulons dire et raciste dominique quelques paroles, assurez-nous que nous ne pouvons pas mettre point de pied dans sous territoire. Parce que si fin parle, au fin de série de paroles, et puis on joue nous sous territoire, regardez, il y a plus milieu. Ça veut dire que si nous voulons dire quelques paroles, assurez-vous qu'on ne peut pas mettre point de pied et dans le pays pour ne pas vivre une situation comme ça. Nous venons ensemble avec Frenouyo. Et qui continuait à abandonner et pays Saint-Domingue après conflit et canal là
et gagne en pile menace et jusqu'à présent menace toujours à fait sous haïtien dans pays ses domaines et c'est raison ça qui fait en pile haïtien abandonner la République dominicaine avec Kishoyo mais et soldats dominicains qui sont frontière ils fait en pile habit et poser tête nos questions pour que ça moun cap tourner qui protecte Kishoyo qui gagne ça fait pour que ça pas quitter yo pas ensemble avec yo gen en pile bagay les moun yo ap vin ensemble ak yo saisi yo nan men moun yo sou frontière et ça li même li pa bon si moun nan gen afè li acheter ensemble avec kobli l'ap vin ensemble l'ap vin la kay li ou pa gen droit pour prendre nan men yo et ça c'est chaque jour ça passe sou frontière gen en pile moun k'ap dénoncer situation ça qui victime en bas men soldats dominicains yo et bien k'ap saisi bagay ki yo porté yo prend nan men yo on a regardé vidéo ça ensemble avec quelques témoignages pour nous connaître pour qui raison en pile haïtien décidé abandonner la République dominicaine. Ça sont groupe déportation, j'en ai regardé là, jeudi et vendredi. Nous allons parler ensemble avec quelques citoyens, quelques haïtiens qui ont déporté ou bien ils ont rapatrié de préférence. Nous allons parler ensemble avec eux pour nous capables de gagner au moins un minimum d'informations sur comment ça arrive. Pour ça qui a passé, nous sommes obligés de retourner dans le pays, non? Parce que vous avez un visa ou illégal, vous avez un passeport ou illégal, vous avez un visa ou illégal. Et pour le moment, là, je suis capable de dire un monde qui était en République dominicaine et c'est un monde qui n'a pas gagné un cas pour venir retourner en Haïti. Parce que les circonstances l'ont présenté l'autre bord. On m'a arrêté avec caisse sauté. Mais si on a un côté pour venir, on a retourné quand même. Pour la situation, on a présenté l'autre bord. Alors moi, je suis retourné et pas immigration. Je suis retourné volontairement. Et, parce que je suis à mon côté et puis je n'ai pas un passeport, je n'ai pas un visa. Je suis vivre tant qu'on volé. Parce que on a un simple bord, il est tant qu'on volé. Parce que les suspects, la police, il y a plein. L'immigration, il y a plein. Et on a un qui fait plus paix encore. Parce que Dominique a menacé nous et à n'importe moment. Mais c'était pour les gens qui sont dans la frontière, ça pas fait mal. C'était pour les gens qui sont dans la frontière, ils mettent guerre si c'est pour moi. Mais ça fait mal, c'est pour les innocents qui sont l'autre bord. D'ailleurs, vous comprenez? C'est pour les innocents qui sont l'autre bord. Quand on dit qu'ils ne paient personne, automatiquement, on guerre commence là, il y a tout fait massacre sur l'autre bord. Voilà. Il y a tout fait massacre sur l'autre bord. Mais c'était pour les gens qui ont fait le canal là, qui n'ont pas sauté. Alors, il y a grand pile de l'autre bord qui voulait retourner dans ici là. Mais imaginez comment il a quitté pile bail l'autre bord et frontière a beaucoup l'ouvrir, il est obligé de rester toujours et automatiquement frontière là t'a l'ouvrir ou après mon a débarqué là avec tout à fait parce que c'est une opportunité au besoin simplement pour débarquer dans pays parce que après événement ça, m'pa ko gen moun ka prêt, m'pa ko gen haïtien ka prêt en République dominicaine encore. Vinn checker chaque mois, m'paye $20, m'paye passage pour monter normal. Ça veut dire que vous avez un visa? J'ai un visa normal, moi, grâce à Dieu. Et, mais pour qu'on ait un visa, pas parler l'autre bord. Quel que soit le cas, même si vous avez un visa américain, dès que vous avez une couleur noire, il faut retourner quand même. Alors, Haïtien qui est l'autre bord, qui est Saint-Domingue, il fait effort pour nous retourner, même si j'aime retourner à tout. Parce que automatiquement, on tire balle à tirer dans cette rivière là, il y a massacré tout haïtien plot bord. Bon, moi, c'est moi qui venais avec pour conviction, parce que je suis pas d'accord avec ces nègres pour moi. Pourquoi ils ont choisi de venir? Parce que, bon, moi, je suis de Santiago, mais bah, il n'y a pas bon même. Pas bon même qu'on y a, monsieur, tu es jeune monde dans la rue, qu'on y a, c'est qu'il y a eu un grand monde. Moi, je ne dis pas que ça arrive, je ne peux pas admettre pour mal pour le monde. Je suis venu. Mais on t'a vu avec tes papiers? Non. C'était illégal? Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 7 mois. Je suis jeune, depuis que je suis à Haïti, je suis toujours en travail. Je fais taxi. Et je suis venu à Haïti, je suis venu à 3 ans, je suis travaillé dans le coiffeur. Je suis venu acheter matériel, je suis venu à Haïti pour toujours travailler. Ça m'a commencé dans le pays.